السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة لأشغال اجتماع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة مع رؤساء الأندية بمقر الاتحادية بدالي إبراهيم. فنستمع الآن أو ننتقل مباشرة إلى مقر الاتحادية والاستماع إلى رئيس الاتحادية محمد روراوة. Beaucoup de succès avec nos amis égyptiens, mais il ne faut pas passionner les débats. Il faut jouer au football et gagner au football. C'est aussi l'occasion de féliciter les autres clubs. C'est bien que pour nous, il y ait 4 clubs en 8e de finale des Coupes panafricaines. Cela veut dire que le football, malgré tous les problèmes que nous avons, malgré l'insatisfaction parfois, parce que nous sommes toujours plus haut et c'est normal, on a des équipes qui sont en bonne santé. Je saisis l'occasion pour, au nom de la fédération, d'ailleurs je lui ai écrit une lettre pour remercier et surtout féliciter Sibouzidi, le coach du net, pour son respect de l'éthique, son fair play. J'ai eu le plaisir de le voir lors d'une émission de télévision parler d'un but que les gens réclamaient alors qu'il n'y avait pas but. Et lui et son joueur ont dit que le ballon n'est pas rentré. Et ça a mis fin à toutes les polémiques. Et le Net menait dans un match 2-0. Ils ont fini 2-2. C'est comme il dit, lui, c'est le football. Et c'est bien que nous donnions l'exemple à tout le monde pour qu'il y ait moins de passion, qu'il y ait surtout moins de chauvinisme, qu'il y ait de la passion à l'aise, c'est normal, c'est ça le football. Mais qu'il n'y ait pas de chauvinisme. Le chauvinisme, on doit tous le combattre, on doit être fair play, on doit les uns et les autres s'entraider pour éduquer nos enfants, parce qu'on oublie toujours que le football, c'est le kérosène de l'éducation. Quand on allait dans 2 ou 3 structures, la première, c'est la famille, la deuxième, c'était les scouts, et le troisième, c'est les clubs, c'est les creusets de l'éducation. Et vous, les dirigeants, vous, les techniciens, et vous aussi, les joueurs, notamment les capitaines d'équipe, vous avez un devoir d'éduquer les jeunes, et vous êtes les exemples par rapport aux minimes, aux cadets, aux pupilles, et même aux juniors. Et tu vois comment je dis en tout, donc chacun d'entre nous doit donner l'exemple pour que l'école du football algérien soit aussi un exemple de l'éducation. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, des morts dans des stades, il ne faut pas en arriver là. On regrette que des choses comme ça se passent, il ne faut pas non plus aussi qu'on en arrive là. Ces derniers temps, il y a un phénomène nouveau qu'il faut combattre, c'est celui de l'utilisation des engins pyrotechniques qui partent très loin, ce qu'on appelle communément des signaux, et ça, c'est dangereux. On oublie que nous aussi, on a eu un mort, un certain match, ce drone-là, lui ne s'en souviendra pas, mais il faudrait qu'il le mette aussi dans un petit coin du carnet pour que les supporters, notamment de l'USMA et du Mouloudia, puisque ça s'est passé à 2 reprises dans des matchs de l'USMA et du Mouloudia, des engins ont été tirés d'une tribune à une autre. Dans le même match Relizen, si mes souvenirs sont exacts, et Mouloudia, il y a eu un mort. C'était un match de coupe il y a quelques années. Donc, il faudrait expliquer à vos supporters et vous, les dirigeants, les joueurs, les techniciens, vous avez un devoir de le faire pour qu'on évite ce genre de situation. On peut exprimer sa joie autrement que de tirer des engins pyrotechniques. Et il faut préserver la santé des gens et la vie des gens et la sécurité des gens dans les stades. Il faut que les stades soient des lieux de convivialité et chacun de nous doit apporter sa contribution. Un qui est au bord de touche ou un joueur qui est au terrain, il peut déclencher la violence dans le stade. Et par conséquent, ça peut mal se terminer. La violence est un fléau, un fait kbira. Il faut impérativement qu'on se donne la main les uns et les autres pour combattre cette violence et pour rendre nos stades tranquilles, pleins de joie, pleins de gaieté, pleins de sportivité. Voilà ce que je voulais dire au début. Bienvenue à tout le monde. L'objet de notre réunion, et vous avez vu qu'on a commencé avec vos collègues de l'Est, c'est un peu
de faire le point sur la situation du football professionnel et de voir un peu l'avenir et surtout voir comment, par quels moyens et quelles démarches nous pourrons améliorer la situation dans l'intérêt des clubs, dans l'intérêt des joueurs, dans l'intérêt du football, dans l'intérêt de nos supporters pour leur offrir un meilleur football, un meilleur spectacle. Et aussi dans l'intérêt du spectacle, puisque aujourd'hui c'est un spectacle. Les télévisions passent des images tous les jours. La télévision nationale paye des droits qui nous permettent de développer le football. Il y a des sponsors qui sont là, qui mettent de l'argent pour que nous puissions faire marcher cette discipline. Et par conséquent, nous devons de leur restituer le minimum en termes de qualité, en termes d'éthique, en termes de sportivité. Et surtout en termes d'image. Il y a aussi l'image de notre pays. Le football est vu dans le monde entier. Aujourd'hui, nos matchs sont vus à travers le monde. Il y a des chaînes étrangères qui les retransmettent. Donc nous devons aussi de défendre l'image de ce cher pays qu'est l'Algérie, que nous aimons tous. Alors, pour commencer, on a quelques dossiers ouverts, notamment pour les clubs, qui concernent le respect des cahiers des charges. On ne va pas en public aujourd'hui aller dans les détails, mais avec les présidents et avec les dirigeants concernés, on a déjà évoqué ce sujet. J'aimerais que vous, les dirigeants, puissiez un peu, encore une fois, vous pencher de plus près sur le sujet et de voir autant que faire se peut comment satisfaire à toutes les exigences du cahier des charges. Le cahier des charges est pratiquement un règlement de l'État, il est fait par l'État, il est publié avec une approbation d'un texte juridique de l'État et par conséquent vous êtes tenu de le respecter. Ça c'est le premier point. Le deuxième point en termes de financement, et cela est lié aux capitaux marchands des sociétés qui gèrent les clubs, ça aussi on voit ici et là des clubs se bagarrer pour l'ouverture du capital ou pas, se bagarrer pour qui est président, qui ne l'est pas, qui est porteur d'action, qui ne l'est pas. Il va falloir aussi dans ce domaine-là que vous fassiez des efforts pour que de manière générale le club soit toujours ouvert à l'investissement. Puisque c'est une obligation de la loi, la nouvelle loi sur le sport vous oblige à laisser le capital ouvert. Lorsqu'un investisseur veut investir dans un club, il faut qu'il ait la possibilité de le faire. C'est difficile parfois à gérer, mais il faut quand même que nous puissions respecter la loi et que nous puissions toujours laisser des fenêtres ouvertes au bon financement de notre sport. La deuxième des choses, c'est les contrats. C'est une pièce essentielle, c'est la gestion des joueurs. Donc, c'est les contrats des joueurs. Les joueurs sont là. Tout à l'heure, j'aimerais aussi qu'on puisse entendre leur avis, comme on l'a fait ailleurs, et qu'ils nous disent quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et quelles sont éventuellement des propositions de solutions qu'ils voudraient voir. Et pour qu'on en discute avec les dirigeants et avec les juristes qui gèrent en ce moment le dossier, nous allons mettre en place un nouveau contrat. Qui sera propre pour tout le monde, qui va prendre en charge l'ensemble des préoccupations des uns et des autres et qui va aussi équilibrer les droits et les devoirs des uns et des autres. Aujourd'hui, les contrats actuels génèrent quelques soucis qui se retrouvent ici à côté dans la chambre de résolution des litiges et nous voudrions diminuer les litiges et arriver, pourquoi pas, à terme à 1% de ce que nous avons, 2%, pourquoi pas litige zéro si cela est possible. Ça veut dire que nous devons avoir des contrats qui sont conformes à la loi sur le travail et des contrats qui soient à la mesure de ce que peut demander un club. Un club demande de la performance et quand il amène un joueur, c'est pas un fonctionnaire, c'est pas un bureaucrate. Il l'amène, c'est parce qu'il a besoin des performances et donc la performance est payée en fonction de son niveau. Et dans ce cadre-là, il y a une réflexion qui est en train d'être menée par des juristes et à laquelle participent aussi un certain nombre de dirigeants. Si des représentants de joueurs veulent y participer, ils sont les bienvenus. Et nous allons tout à l'heure, quand nous passerons au débat, les entendre pour écouter leurs avis. La deuxième source de problème, c'est le règlement intérieur des clubs. Chaque club a un règlement intérieur qui est différent et qui est, parfois exagéré. Pour d'autres, il l'est moins. Et donc, nous allons mettre en place un règlement intérieur type
et tous les clubs devront s'y astreindre. Et bien sûr, il y a des spécificités pour chacun des clubs. Il peut y avoir des choses à l'intérieur qui regardent un club parce que c'est comme ça qu'il fonctionne depuis longtemps. Mais par exemple, un joueur qui ne vient pas à l'entraînement, un club in Hilo, Miet Million ou l'Akhrin Hilo, Ajara, non. Nous allons parler d'un pourcentage du salaire pour enlever l'absence à l'entraînement, enlever un pourcentage pour l'absence à un match, enlever la prise en charge lorsqu'il est malade, qui c'est qui le paye, etc. La prise en charge, cela nous amène à parler de la CNAS. Alors, la CNAS, alhamdoulilah, كتر خير الحكومة وكتر خير وزير العمل وكتر خير وزير الشباب والرياضة avec qui nous sommes réunis récemment, nous sommes arrivés à un accord tel que nous l'avions préparé avec les présidents de club, c'est-à-dire nous allons payer un forfait sur le passif. Ça veut dire quoi le forfait pour vous les joueurs? Ça veut dire que pour les 5 dernières années de professionnalisme, vous allez être éligible à la retraite. La fédération va payer au lieu et place des clubs un montant forfaitaire à la CNAS qui va couvrir les années passées jusqu'à l'année dernière. Mais à partir de janvier de l'année, les clubs, on leur a demandé de payer sur la base de 15 fois le SNMG, c'est-à-dire à peu près 270 000 dinars le plafond. Ça veut dire quoi? Les خلص من 0 حتى 270 000 dinars, ils خلص على la somme ديالو réelle. Jusqu'à 270 000 dinars. Les خلص 270 000 dinars, ils خلص la CNAS غير pour 270 000. Exemple, un joueur, ils خلص 100 millions, ils خلص la CNAS غير على 27 millions. Ce qui est zéro, c'est à peu près de 19 000 dinars par mois pour lui en tant qu'employé. L'employeur perd la quote-part habituelle. Ça regarde le club. Mais vous, les joueurs, vous avez intérêt maintenant à adhérer au système national de gestion des salaires. Ça veut dire لازم تخلصوا la CNAS, parce que sinon, si vous tombez malade, l'assurance que vous avez dans le club, elle n'est pas suffisante. Si quelqu'un se blesse et il a une invalidité permanente, l'assurance elle va lui donner des petites bricoles, tandis qu'avec la CNAS, vous allez avoir une paye à vie et qui va rester à vos héritiers. La retraite, c'est la même chose. Au lieu de ne rien avoir, une retraite. Et si vous payez, vous allez avoir une bonne retraite. La deuxième chose, c'est la fiscalité, c'est l'impôt. L'impôt, tout le monde paye l'impôt. Avec le bouab, les rafles, la fédération, les trelles, tout d'orca, ou les polices, les rafles, les babias, ou le secrétaire général de la fédération qui est un employé. Ou la Mahfoud, en tant que directeur général de l'imprimerie officielle, à la fin du mois, il touche son salaire ou il خلصe l'impôt d'Yalo. Moi, je suis retraité, je paye l'impôt. Donc, vous êtes tenu de payer l'impôt comme tout le monde. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Ou hadi t'a ma خلصe l'impôt, ma kench benha. Alors, le passif, c'est le passif, mais à partir de maintenant, il faut que tu dehloufes le système national. Vous touchez un salaire qui est tout l'ensemble des travailleurs algériens. Il n'y a pas de différence. Les hommes normalisent les choses. Quand vous faites le journal, vos collègues en Europe, ou là, vos collègues à côté, la Tunisie, ou là, la France, tout le monde paye les impôts. Il n'y a pas de raison que vous ne payez pas les impôts. Qui fait ce qu'on a les impôts dans votre contrat? C'est vous qui négociez avec votre club. Quand on a 50 millions, le club est 20 millions, tu as les impôts, c'est votre problème. La paye, c'est 70 millions. Fais l'impôt خالص. Au final, la CNAS khalsa. Et ça, c'est terminé. On ne peut pas parce que tôt ou tard, khalsa. Alors, autant commencer maintenant pour que les choses soient tranquilles et limpides. Le passé, on verra le passé. Mais maintenant, il faut impérativement que vos salaires soient des salaires normaux, conformes à la loi. Il faut exiger des fiches de paye. Les clubs sont obligés de faire des fiches de paye. Ils ont commencé à le faire. La CNAS est payée, vous aurez votre carte Chifa et vous aurez donc vous serez comme n'importe quel employé. Vous avez des journalistes là qui sont derrière. La fin du mois, j'ai la fiche de paye, il خلص l'impôt, il خلص la classe, on a sa carte Chifa et on sera dans la même configuration. Le salaire doit être viré. Les espèces, c'est complètement interdit et non reconnu. احنا ان جوار يجي يقول خلصوا ما خلصونيش ولا قال خلصوني بالاسباس ici à la chambre de résolution des litiges on ne reconnaît pas ça. Donc on reconnaît que les virements qui sont faits directement d'un compte à un compte.
Vous êtes tenu d'avoir un compte bancaire ou un compte postal, c'est votre problème, mais le numéro de compte bancaire doit figurer dans le contrat au moment de la signature. Et les contrats qu'on va refaire à partir de l'année prochaine avec les mêmes conditions de temps, c'est-à-dire mais dans le nouveau contrat, il y aura le numéro de compte bancaire et le salaire brut et le salaire net. Et après la chambre de résolution des litiges, il y a eu des situations. Il dit un joueur, il goule un seul nombre 500 millions. Le club. Le club, il dit que non, il s'est libéré de Timia. À l'âge, il goule parce que le salaire est brut. Donc, il a mis 100 millions dans les impôts ou dans la CNAS. Mais en réalité, le club n'a pas 100 millions, il n'a ni la CNAS ni les impôts. Ou le joueur, il n'a pas les impôts ni la CNAS. Donc, tout le monde est où tout le monde est prêt à mousser le tarif de l'Idara. Donc il faut régler ce problème. Il faut le régler, il faut qu'on redevienne normaux comme dans n'importe quel pays du monde. Il faut des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Messi. La fiscalité, les impôts, ils sont morts. Quel que soit le niveau du football dans le monde, tout le monde est égal devant la loi. On est tous égaux devant la loi. Le canon est le jamais où il n'y a pas de super citoyens et de citoyens simples. Donc, c'est un problème que j'aimerais qu'on règle et qu'on règle définitivement. Certains de vos collègues, Zohair ou Sibouzidi, les autres entraîneurs qui sont là, Shrif, m'ont dit pourquoi on n'élargirait pas ce système aux entraîneurs. Nous, on n'est pas contre. J'ai dit qu'on est prêt à élargir le système de gestion contractuelle des entraîneurs. Et d'ailleurs, on a demandé d'ores et déjà au groupe juridique de commencer à nous préparer un contrat type pour les entraîneurs. La seule chose que nous exigeons pour que le contrat soit normal, qu'il soit homologué au niveau de la Ligue, qu'il soit éligible à l'étude de la Chambre de résolution des litiges, c'est qu'il y ait la transparence la plus totale. قال جون خلص 100 مليون خلص 100 مليون نحطهم في الكونترا ماشي 50 نحطهم في الكونترا 50 نقولوا البريزيدون تاعهم اللي تاع الطابله il faut que ça soit clair net et précis comme dans tous les pays normaux qui se respectent حطوا votre salaire total payez vos impôts normal payez la CNAS pour ceux qui n'ont pas la CNAS par ailleurs parce que كاين اللي يخدموا في ministère de la jeunesse et des sports عندهم un salaire et ils payent déjà la CNAS هذوك يخلصوا غير l'IRG il y a aucun problème mais que ça soit transparent et clair à ce moment-là le contrat est homologué par la Ligue du football professionnel si demain un club ne vous paye pas vous pouvez vous plaindre à la chambre de résolution des litiges pour prendre vos droits. On est d'accord. Donc, si vous êtes d'accord, vous nous le faites savoir. Et d'ici le début de la saison prochaine, nous allons, en accord avec les présidents de club, avec les dirigeants, mettre en place un contrat qui aussi fixe les devoirs et les obligations des uns et des autres. Ça aussi, un contrat d'entraîneur, c'est des objectifs, c'est de la performance. Dans les objectifs d'Yellow Laiberg, mais dans les objectifs, il y a des procédures de séparation, des procédures de mise en garde. Nous allons les définir comme dans tous les pays du monde et que les choses soient claires et transparentes. En dehors de cela, la chambre de résolution des litiges, contrairement à ça, je m'adresse aux joueurs, et ça, il faut expliquer à vos collègues dans vos clubs. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes les représentants des joueurs. Ce qu'on voudrait un jour, c'est que vous puissiez avoir un syndicat qui vous représente pour que les choses soient claires pour les uns et pour les autres. Et par exemple, aujourd'hui, à la Chambre de résolution des litiges, c'est des gens de l'association qui vous représentent. Maintenant, ou plus tard, que ce soit des élus dans un syndicat en activité que vous allez créer, que vous allez gérer et qui permettra d'être plus correct. Parce que Hagdak, il dit, il tape le droit de l'arabine, mais il hâte l'arabine à l'ouajib al-tahoum. Il faut aussi parler, quand on parle de droit, il faut parler des devoirs. La chambre de résolution des litiges, il ne faut pas croire qu'en venant ici, on vient que pour se faire libérer. Nous avons des joueurs qui nous connaissent, ils vont au club et ils disent qu'ils ont 6 jours d'avance. Ce n'est pas normal. Vous signez un contrat, vous touchez tous les mois votre salaire. وإلا حبيتوا الكلوب تاعكم يكون سولفابل يكون عنده مصداقية ويكون يقدر يخلصكم ريغوليرمون ما تجيفوش. فو با يترونغلي لو كلوب تجي تقول له انا ندي ست شهور ولا ما نسينيش غدوه يتفقوا لي بريزيدون دو كلوب قال حتى واحد ما يسني جو باي با
Et ils peuvent le faire et ils devraient le faire. J'ai signé l'UNES, bon, je vais 10 millions par mois, cool, je vais te faire. Trois mois, et un jour, tu viens te plaindre à la CRL. Et le club est mis en demeure dans la semaine, mais il faut que vous êtes libre, ou tu as les trois mois d'hier, ou tu as toute la durée du contrat d'hier. Par contre, qui dit le président, après ce jour, mais au bout de trois mois, vous dites ce qui est bien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que moi, je Alors, qui m'a dit, il ne faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Le commerçant, il a dit le client, il faut toujours lui laisser la tête hors de l'eau. Il faut qu'il soit le mât. Parce que le client dit qu'il a grec, il mout, mais il voulait chercher à l'éc. C'est comme ça que vous avez le club. Il a mis le tout le charas au fond de l'eau, il grec, vous ne touchez plus de salaire et le club est cool. C'est votre responsabilité aussi, le club. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous a parlé comme ça et on n'a pas pris l'habitude de vous parler comme ça. Dorénavant, on a régulièrement et au niveau de la Ligue, vous devez vous voir régulièrement avec, pour régler. Quand il y a des problèmes dans le club, la Ligue peut aider, la Fédération peut aider, tout le monde peut aider. Mais ça, on ne peut pas aider lorsque le seul bénéficiaire, c'est le joueur. Ce n'est pas normal qu'un joueur vienne demander des avances 6 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut que le charte est comme tout le monde. Mais il faut que la Ligue soit là. Il n'y a pas de problème. À condition que le contrat soit clair, il soit transparent, que les impôts dialoguent, que la CNAS dialogue, qu'il y ait un compte bancaire ou la fiche de paie est établie normalement. Il faut sortir le Trabendo. Le professionnalisme ne s'accommode pas de Trabendo. Classe. Hadigal ne dit 7 jours, on va derber à Miltaoui. Il y a des joueurs qui ont dit, à la belle, ne dit 7 jours parce qu'on est sûr, peut-être même ne dit le reste. Si tu n'es pas sûr, tu dis le reste, mais dans le club, mais tu n'y fais. Rahal Jafra. Si vous voyez qu'un club n'est pas solvable, tu n'y fais. Tu n'y fais. Rahal Jafra. En plus, la situation, nous avons une situation de tous les jours, de tous les joueurs et de tous les clubs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de litiges. Par rapport aux années précédentes, il n'y a pas beaucoup de litiges, de vrais litiges. Mais quand je dis vrais litiges, les a'at haqiqiya, rien de l'aujourd'hui. Il y a de la bricole. واحد جي في الكلوب ديالو يصاوب 5-6 جوار داو كاع ولا بيدجي دو كلوب ومن بعد الكلوب ما يقدرش يخلصهم هذو هما لي فري بروبليم Mais sinon, la majorité des clubs rendent les choses normalement. Il y a quelques jours, j'ai entendu le siècle parler à la radio, nous payons nos joueurs, nous payons le truc, etc. Normal. Il est le club qui a le boulot, il a les choses comme les comme. Si ce n'est pas tous les mois, c'est difficile. C'est difficile. Vous dites donc, nous avons une période d'austérité maintenant. L'environnement économique, obligé de tenir. Donc ça veut dire les recettes des clubs, ils n'ont pas. Il ne faut pas, il a un coût le club, il n'a pas de coût. Alors donc, le joueur et le club, pour que le club survive et pour que le club fonctionne bien. Sur le système de gestion des salaires, des primes, etc., on parlera dans les détails tout à l'heure lorsqu'on débattra de cela. Il y avait un sujet important aussi que je voulais évoquer, le problème du médical. Le problème du médical et le problème du dopage. Alors, le médical, on vous demande de faire un dossier médical tel que l'est recommandé par la FIFA, qui s'appelle le PCMA. Le PCMA est une obligation. Il est fait où, il y a quelques années en arrière, nous avions encore des morts subites sur le terrain. Quand on est mort sur le terrain, soit à l'entraînement, soit pendant des matchs. Et aujourd'hui, on a pratiquement plus de morts subites, alhamdoulilah. La dernière qui a été signalée, c'est celle d'un joueur, mais qui est mort dans un quartier de Constantine, dans la rue. Après la fin de la saison, il est allé jouer un match dans la rue, et il a eu une crise cardiaque, il est mort sur un terrain. Ça n'a absolument rien à voir avec le football organisé. Mais aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, il n'y a plus de morts subites. C'est grâce à ce système de prévention.
Et vous devez, vous, les clubs, de faire ces dossiers médicaux pour tous les joueurs, y compris on les élargit aux jeunes. Et vous, les joueurs, vous devez faire attention et exiger que vous fassiez toutes les visites médicales pour protéger votre santé. On a vu, ça, hélas, certains clubs qui ne sont pas de ce niveau-là, mais ailleurs, qui ont un leader ou des photocopies de l'électrocardiogramme. Alors, je vous avertis, à partir de maintenant, la commission médicale a été instruite. Si on trouve des faux, nous allons porter plainte devant les tribunaux. Parce qu'il s'agit de responsabilité pénale. Ou quand il meurt un avec un dossier comme ça, le leader ira au habs. Ou le sijlou ira au habs. Alors, il ne faut pas s'amuser avec ces dossiers-là. La deuxième des choses, c'est le dopage. Le dopage, ça ne nous fait pas plaisir de voir les derniers joueurs qui ont été suspendus, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, être suspendus. Et quand on publie un communiqué pour dire « Qaddour Ben Ali, ahkamna dopé à quelque chose qui est interdit », c'est pas bien. C'est bien pour personne. Alors, vous, les capitaines d'équipe, il faut sensibiliser vos joueurs. Vous, les dirigeants de club et les médecins en particulier, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de dopage. Vous devez expliquer, parce que, hélas, un certain nombre de joueurs ne s'intéressent pas à ces aspects médicaux et à ces aspects du médicament, j'allais dire, entre guillemets. Hamid a été PDG de Saïdal et vous pourrez vous en parler mieux que moi. Mais aller prendre une poudre parce qu'on l'utilise dans les salles de bodybuilding, ça n'a rien à voir avec le football. Aller fumer un joint, ou là, maintenant c'est plus grave, aller à la cocaïne, ça c'est pas acceptable. La satisfaction que nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est que depuis le mois de janvier, même depuis la fin décembre, on a fait presque 400 prélèvements, ils sont tous négatifs. Alhamdoulilah, ça on est content. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de vigilance, un peu plus de... Les gens font attention. Et donc, vous, les joueurs, il faut expliquer le dopage, il faut faire attention. Des fois, il y a des joueurs qui prennent des médicaments ou qui prennent des choses sans le savoir. N'importe quel médicament, il ne faut pas faire d'automédication ou aller prendre n'importe quelle poudre, soi-disant, pour augmenter le muscle ou la prendre un liquide parce que ça augmente la force sur le terrain. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Et nous avons décidé de faire la guerre à ce fléau jusqu'au bout. Vous serez contrôlés tous les jours, chaque match, y compris dans les entraînements. Vous avez vu qu'il y a des contrôles inopinés qui viennent dans les entraînements. Et nous voulons qu'il y ait un football propre dans ce pays. Et ça, quel que soit le prix que ça nous coûtera, nous le mettrons. Parce que Alès, nous le faisons dans le but de rendre propre le football, mais aussi de protéger votre santé et de protéger la responsabilité des dirigeants et des clubs. Alors vous, les clubs, tout à l'heure, Hamid pourra vous en parler, parce qu'on ne lit pas les règlements, hélas. Vous savez que s'il y a plusieurs joueurs contrôlés dopés dans vos clubs, vous êtes sanctionnés. Et vous risquez même la rétrogradation. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Je me scoute à un club parce que je ne veux pas qu'il y ait d'histoire dans ce pays, ou la Filhoum Al-Flaniya, ou la je ne sais pas où. Quand il s'agit de dopage, les laboratoires sont à l'étranger. Le laboratoire, dès qu'il a une analyse positive, il prévient automatiquement la fédération internationale concernée, pour nous la FIFA, immédiatement. Et la FIFA, dans la semaine, elle nous demande des comptes. Et s'il y a plus que ça, il va nous dire qu'est-ce que vous avez fait au club, et si on ne le fait pas nous, c'est eux qui prennent la sanction. Alors, donc ça veut dire que ça vous oblige, ça vous donne le devoir de participer avec nous à la lutte contre le dopage, vous, vos médecins, vos dirigeants, tout le monde. Et vous, les joueurs, non seulement vous avez l'obligation, et vous, les capitaines, non seulement vous avez l'obligation aussi d'y participer, mais vous avez l'obligation d'y veiller. Il faut contrôler, il faut veiller. Maintenant, vous savez tous qu'il y a ce qu'on appelle les autorisations d'usage thérapeutique, les AUT.
Si un joueur prend par exemple des corticoïdes parce qu'il est malade, son médecin doit remplir un papier et l'envoyer au médecin fédéral pour lui dire tel joueur a de la semaine, ben, il sera allé dans les coma, mourir de la grippe, on lui a donné tel médicament parce que ce médicament est classé dans une des classes de la thérapie interdite. Donc, le mot ça là. Et, mais il faut s'en occuper. Aujourd'hui, il y a l'ihtiraf. L'ihtiraf, il y a un moustawa, il y a un ma'rifa, il y a un yaqaza, il y a aussi de la persévérance. Alors, il y a un moustawa qui est très bien. La dernière des choses dont je voulais parler, c'est le passeport du joueur. Et ça concerne et les joueurs. Il faut leur expliquer à vous, les capitaines, aux joueurs qui ont moins de 23 ans, et vous, les dirigeants, vous savez que tous les joueurs entre l'âge de 15 ans et de 23 ans sont toujours considérés en formation par les règlements internationaux et qu'au moment de leur départ du football amateur vers un club professionnel, au moment où ils signent leur premier contrat professionnel, ils sont assujettis à cette indemnité de formation qui est obligatoire. Jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas, mais depuis à peu près quelques mois, avec la Ligue du football professionnel, on a remonté tous les joueurs qui ont le droit à être payés, plutôt à produire une indemnité de formation pour le club d'origine Tahom. Et c'est ainsi que des petits clubs ont pris des chèques parfois modestes. Quand un club lit 50 millions, quand il lit 100 millions, mais quand le club de Nbenin est 50 millions parce qu'il a eu la chance d'avoir Slimani ou qu'on a à l'est des joueurs qui sont maintenant dans le football professionnel et qui jouent au plus haut niveau. Khanchla, par exemple, qui a pris 100 millions, c'est magnifique. Mais un club comme ça, Khanchla, 100 millions, il chute bien à deux saisons. Donc, l'indemnité de formation, vous, les clubs, vous devez la payer. Aujourd'hui, on est en train de la payer par prélèvement sur les droits. Mais dorénavant, il faut y veiller. Allège, parce que nous encourageons les clubs formateurs à continuer à former et à vous donner le meilleur de ce qu'ils produisent chez vous. De même que les joueurs qui sont formés dans le club professionnel, s'ils vont dans un autre club, le club professionnel a le droit lui aussi à l'indemnité de formation. L'indemnité de formation, elle est payée une fois. Mais il y a l'indemnité de solidarité. L'indemnité de solidarité, chaque fois qu'un contrat est signé ou un deuxième contrat est signé, il y a 5% du montant de ce contrat qui vont au club formateur. Vous vous souvenez, un joueur comme Drogba, les petits clubs Wenges Fihom, des années et des années grâce au transfert de ce joueur d'un club à un autre. Et c'est la même chose chez nous. Comme on n'a pas de prime de transfert ou de montant de transfert en début de cycle, on prend la valeur du contrat sur les 2 ans minimum que vous signez et les 5% doivent être versés au club formateur, au club au singulier ou là au pluriel, au prorata du nombre d'années passées dans chacun de ces clubs. Le passeport du joueur est un document dans lequel il est recensé toute la carrière du joueur. Donc, pour vos joueurs à vous, ou là, pour les joueurs qui viennent d'ailleurs, quand vous les faites signer, exigez qu'il y ait le passeport du joueur pour que cette manne financière, même modeste soit-elle, puisse apporter du bonheur au petit club. Voilà globalement un peu de quoi moi je voulais vous parler. Je voulais aussi vous parler du respect des calendriers. Cette année, nous avons bien fonctionné et j'espère que nous allons continuer à fonctionner comme ça. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une programmation bien faite parce que nous devons respecter nos engagements commerciaux avec les télévisions et avec nos sponsors, mais aussi permettre la participation de nos clubs aux compétitions internationales, mais aussi également commencer dans les délais, finir dans les délais. Quand on dit au début de l'année, nous allons jouer le championnat, nous allons commencer telle date, on commence telle date, et si on doit finir telle date, on finit telle date parce qu'il y a des engagements internationaux. Pour la Coupe d'Algérie, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça se joue le plus normalement du monde et c'est devenu des rendez-vous très, très précis. Et donc, il faut que chacun de vous puisse faire l'effort qu'il faut pour que le calendrier soit respecté et qu'on ne parle pas de report et qu'on ne parle pas de Kenzman, dirigeant chez nous, la meilleure méthode de préparation de nos clubs, je vous parle de ça il y a 12-13 ans en arrière, la meilleure préparation pour le club, c'est le report.
Alors, donc, il ne faut pas qu'on revienne à ces années-là. Si le football professionnel, on peut jouer tous les 3 jours et on se doit de jouer tous les 3 jours, vous avez un effectif important qui vous permet d'avoir des ressources humaines capables de tenir le coup. Dans les dispositions réglementaires pour la saison 2016-2017, c'est-à-dire la prochaine, vous n'aurez que 22 joueurs seniors. Et ça, c'est un accord qu'on a fait avec tout le monde. Hier, j'étais en train de voir les statistiques de la Ligue du football professionnel. À aujourd'hui, il y a encore, au moment où on est pratiquement au calendrier, il reste 2 mois et demi de calendrier. À 2 mois et demi de la fin des compétitions, il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui ont plus, au moins 4 joueurs qui ont joué 0 minute. Des joueurs qui ont joué 0 minute, des joueurs qui ont joué 36 minutes, des joueurs qui ont joué 20 minutes. Ça veut dire que 25 bezef. 22 joueurs et peut-être bezef. Pourquoi? Parce que nous avons sauvé une génération de joueurs qui sont les U21. Les U21, vous ne vous rendez pas compte, mais quand on avait décidé de créer cette catégorie de jeunes, on a sauvé 800 joueurs par an. À Hezbollah Club, multiplié par 25 joueurs, on est autour de 800 joueurs. Ces joueurs-là, 800, si chaque année on ne sort pas 200 joueurs de là, c'est un échec. Il vaut mieux enlever cette catégorie. Moi, je pense que chacun d'entre vous, dans cette catégorie de jeunes, puisque après 20 ans, dans le football amateur, aujourd'hui nous les gardons une année supplémentaire dans la perspective de les voir être récupérés et surtout vivre un environnement qui leur permet d'éclore, qui leur permet d'exploser. Et ça, il faut puiser dans cette catégorie. Au lieu d'aller chercher des joueurs ailleurs, c'est aussi une sorte de retour à la formation, même si c'est une formation tardive, parce que c'est de la post-formation déjà à ce niveau-là. Donc, la catégorie, elle est intéressante, il faut bien l'exploiter. Ça aussi, il n'y aura que 22 joueurs l'année prochaine. Bien sûr, dans chacune des catégories, il y a 3 gardiens obligatoires. Et ça veut dire que le staff technique d'un club dispose de 44 joueurs seniors. C'est 22 et 22, c'est 44 joueurs seniors. Et il y a 6 gardiens de but dans le lot. Alors, si avec tout ça, on n'arrive pas à former une équipe, moi je pense que ça veut dire que il faut changer complètement de méthode. Dans les dispositions réglementaires, je crois que les prêts, il n'y en aura que 2. Parce qu'il faut arrêter les histoires où les clubs ont 50 joueurs qui sont dans le circuit dans n'importe quel club ou à n'importe quel moment. Vous pouvez garder 2 joueurs en prêt et les laisser quelque part jouer, pas plus. Sinon, il faut libérer les jeunes. Il faut leur donner la chance d'aller jouer ailleurs, d'aller négocier leur avenir ailleurs. C'est ça, les dispositions. On n'a rien de particulier. Sur les catégories de jeunes, on a changé les catégories de jeunes, les âges, parce qu'on les met en adéquation avec la Coupe du Monde 2019 et la Coupe d'Afrique 2019. Donc, en fonction de ça, les âges sont tracés pour les catégories U17, U18, U19 et U20. Et on essaie, pour vous, dans le football professionnel, d'introduire chaque année une section qui nous permet, il faudrait qu'on arrive à terme, à ce que, comme en Europe, on ait les U13, les U14, les U15, les 16, 17, 18, 19. Pourquoi? Il faut que le joueur puisse jouer chaque année. Il est là à 15 ans, il joue 17 ans, à 16 ans, il ne joue pas. Ensuite, à 18 ans, il est là, les juniors à 20 ans, mais il a 18, 19, il a après 20. Etc. Donc il faudrait qu'on arrive à avoir des joueurs dans chaque catégorie d'âge et chaque année. Vous avez vu en Europe, pour toutes les catégories d'âge, il y a même des Coupes d'Europe pour toutes les catégories d'âge. J'espère qu'on arrivera à des niveaux comme ça et qu'on puisse donner le maximum de chances aux jeunes pour qu'ils aient la meilleure formation possible, pour que le club istifade minhom à la fin. On me rappelle un sujet, c'est celui des licences. On est en train de mettre en place un système de licences informatisées. Inch'Allah, la rentrée prochaine, vous n'aurez même pas, les clubs, vous n'aurez même plus besoin de venir à la Ligue faire une licence. Vous la ferez dans votre bureau et dans votre club.
On est en train de finaliser un système informatique qui vous permettra d'introduire toutes les données à partir de votre ordinateur. Donc il faudra désigner un responsable de l'informatique. Enfin, il n'y a pas besoin d'être ingénieur, mais quelqu'un qui va faire de l'informatique, une ou deux personnes. Vous allez avoir un code pour entrer dans le système de la fédération et pour vous diriger vers votre ligue, pour fabriquer, pour introduire vos dossiers et pour fabriquer vos licences vous-même, si vous le voulez, vous pouvez même les imprimer chez vous. Si vous avez des problèmes d'impression, vous pouvez aller dans la ligue à côté, n'importe quelle ligue, la ligue de Wilaya, la ligue régionale, la ligue nationale ou à la fédération, et vous pouvez imprimer vos licences. Et les choses seront plus faciles à gérer pour tout le monde. Et on aura une banque de données nationale. Si un jour, si Natine Diouf, vous le saurez. Si quelqu'un signe à Annaba et qu'il vient au Nahd pour signer, il suffit de taper le nom et le prénom et sa date de naissance et tout son dossier sort pour vous dire qu'il a signé l'année dernière ou qu'il n'a pas signé ou qu'il a déjà signé cette année quelque part. Donc, il faut dans votre administration mettre en place ce qu'il faut, donc un ordinateur, une imprimante, on vous donnera les caractéristiques de l'imprimante parce que c'est pour imprimer sur du plastique. Et il faudra dédier un personnel qui va commencer la formation dans le mois prochain. Nous allons commencer la formation de ces gens-là. Ça permettra aussi à la même personne de s'occuper du TMS. Le TMS aussi est un outil important. Vous devez avoir en permanence quelqu'un qui s'occupe donc du transfert système. Et comme ça, progressivement, nos administrations vont s'étoffer pour pouvoir avancer. Globalement, pour la saison prochaine aussi, nous, en raison de Ramadan, nous commencerons certainement à la mi-août le championnat. إذن كانت هذه مشاهدينا كلمة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة خلال اجتماعه برؤساء أندية الوسط والتي استهلها بتهنئته للفرق الجزائرية الأربع المشاركة في المنافسات القارية التي رغم بعض المشاكل في البطولة الوطنية إلى أنها استطاعت التأهل. ومن أبرز النقاط أيضا تطرق رئيس الاتحادية إلى قضية العنف في الملاعب بالإضافة إلى وضعية كرة القدم الجزائرية وتحسين الوضعية من كل الجوانب سواء بالنسبة للاعبين المدربين أو حتى الأنصار والدفاع عن صورة أو سمعة الكرة الجزائرية. تطرق أيضا إلى عقود اللاعبين والتي تبقى أحد أهم النقاط واحترام حقوق اللاعبين وواجبات قانون الداخلي للأندية فكل العقوبات ستكون مشتركة. أيضا تحدث رئيس الاتحادية عن الضمان الاجتماعي فكل اللاعبين حاليا سيقومون بتسديد الضرائب من رواتبهم الشخصية. كما أكد روراوة أنه لا توجد نزاعات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة بين الإدارة واللاعبين فيما يخص قضية المستحقات وتطرق أيضا إلى الملفات الطبية وقضية المنشطات. وصرح روراوة أنه على الأطباء رؤساء الأندية وحتى المدربين توعية وشرح للاعبين حول خطر المنشطات واستشارة أطباء الفرق قبل تناول أي دواء. وقال أنه ستتم مراقبة اللاعبين قبل كل مباراة لتحقيق احتراف مثالي. إذن كانت هذه أهم النقاط التي تطرق لها رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة. بهذا مشاهدينا نختم هذا النقل الحي والمباشر الذي كان من دالي إبراهيم. إذن